Donc, bonjour à tous, c'est Oracle 90. On se retrouve pour la suite de Star Wars, The Old Republic, Knight of the Eternal Throne. J'espère que vous allez bien. Donc là, je tourne à la suite. Enfin, je commençais à m'ennuyer. Et quand je m'ennuie, les prisonniers ont tendance à perdre leurs membres. Ne vous inquiétez pas pour moi, commandant. Écrasez-la. Laissez-moi parler à Père. Libérez Torian, et je verrai ce que je peux faire. Non, vous tenez vraiment à ce ver de terre rampant. C'est pathétique. Je me demande ce que Père a bien pu vous trouver. Il pensait vraiment que vous pourriez me voler mon trône. Tu n'es pas digne du trône. Tu n'es pas de taille pour régner sur l'Empire éternel. Je le mérite plus que votre nouvelle marionnette. Putain, il l'a tué. Il n'arrive même pas à protéger son peuple. Vous allez mourir dans de longues souffrances. C'est amusant. Je me disais la même chose. Ça doit être l'influence de Père. Elle ne s'arrêtera que quand tous vos alliés seront étendus morts à ses pieds. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Même Valkorion a trop peur pour m'affronter maintenant que j'ai brisé mes chaînes. On n'a pas peur. Trop de sang a coulé. Il faut que ça cesse. Avez-vous un dernier mot à dire avant que je mette un terme à cette réunion de famille pitoyable? Je vous ai donné une chance, Véline. Mais vous ne me laissez plus le choix. Vous ne pouvez plus être sauvé. Ça n'a jamais été mon intention. Ah, sale pute. C'est l'heure de mourir, Père! Alors là, c'est bagarre générale. Rien à foutre, elle va crever cette fille. Une fois que vous serez tombé, Odessen brûlera. Pourquoi t'es si méchant? Putain, t'as tué Dorian. Toute ma puissance a été libérée. Putain. Oh putain! Elle m'a envoyé Valsi. Oh la pute! Elle m'a propulsé mais à l'extérieur en fait du ring. Oh. Ok. Du coup on va rester là en fait. C'est l'heure de mourir, Père. Je dois m'occuper de ces gardes parce que sinon ils vont m'attaquer. Je crois que vous serez tombé. Odessen brûlera. Les maux de Père ne peuvent plus vous sauver maintenant. Toute ma puissance a été libérée. Allez, je vais m'en sortir. Heureusement, je suis là. Bien pour une marionnette.
Alors, je suis désolé, on va pas trop bouger parce que si je me mets de l'autre côté, vous voyez, ça va m'enculer quoi. On va tout recommencer. Pourquoi je dis cette attaque elle marche pas? Ça a été libéré. Ferme ta gueule. Merci, bordel. Elle est en train de me mettre cher là, putain. Heureusement qu'on est trois sur elle, hein. Ah, j'ai une tourelle, Amber. Toute ma puissance a été libérée. Que vous serez tombé, Odessen brûlera. Voilà, vous êtes fini, bordel. Ce n'est pas terminé. Aujourd'hui encore, ma fille est une menace. Père, vous me connaissez si bien. Non. Tout le complexe est plus aucune emprise sur Véline. Vous seul êtes assez fort pour mettre un terme à tout ça. Le trône éternel est à moi! Il ne s'agit pas du trône. Il s'agit de vous arrêter. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? La flotte éternelle vient de se replier. Tous les vaisseaux sont partis. Les lignes ennemies sont tombées. C'est la débandade. Ils sont tous en train de se rendre. La rage de ma sœur était la seule chose qui donnait la volonté de se battre à ses troupes. Alors c'est terminé. On a gagné. On a gagné. Non. Il reste Valkorion, là. Putain, Thorian est mort, bordel, putain. Eh, je l'ai... Il passe mal. Sans déconner, il passe mal la mort de Thorian. Je n'arrive toujours pas à croire que Thorian soit mort. Il s'est sacrifié pour sauver notre cause. On honorera sa mémoire, et celle de tous ceux qui sont morts en défendant Odessen. Il faut qu'on parle de la mort de ma sœur. J'ai ressenti quelque chose quand vous l'avez tuée. Comme si sa force vitale s'insinuait en vous. C'est déjà arrivé une fois, quand Valkorion est mort. Contrairement à mon père, Véline n'avait pas le pouvoir de transférer son esprit dans un nouvel hôte. Il est possible que vous ayez simplement absorbé sa force et que son esprit ait été détruit. J'espère que ce n'était rien de plus. Si Véline était en vie, je pense que je la sentirais, comme Valkorion. Pas si Père l'empêche. Je n'ai pas de preuves. Mais on sait tous les deux qu'on ne peut pas lui faire confiance. Faites attention à vous. Commandant, on reçoit les appels à l'aide de l'impératrice Asina. Quoi ? Dromunka s'est attaqué.
La flotte éternelle nous bombarde depuis l'orbite. On n'abandonne pas nos alliés. Je vous envoie notre flotte, impératrice, avec le Cénotaphe en tête. Les Sith ne sont pas les seuls à être attaqués, commandant. Je capte les signaux de détresse de Coruscant et d'autres mondes du noyau. Non. Nous savons que ce n'est pas Velin qui a ordonné ça. Les capitaines Gemini ont dû se rebeller. Ce n'est pas tout. On reçoit des appels à l'aide de Zakel. La flotte éternelle a mis en place un blocus. Elle est en train de bombarder la planète. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant que la flotte éternelle tue des milliards de gens. Vous ne pourrez pas résoudre ce problème avec vos armées et vos flottes. Le trône éternel est vacant. Sans chef, la flotte est retournée à sa fonction la plus primitive, l'extermination. Si on la laisse faire, elle détruira toute forme de vie dans la galaxie. Il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter. Emparez-vous du trône éternel et prenez le contrôle de votre destinée. Ouais, comme ça, ouais. Préparez le Cénotaphe. Direction Zakel. Ouais, vu sous cet angle, ouais, forcément. Ils ont plus de chef, du coup, ils font un petit peu n'importe quoi. Alors, on va prendre le contrôle, puis on va essayer de, comme on dit, arrêter ce massacre et préparer un petit peu les conneries de Velin. Vous entendez ça? Oh non, quoi? Terron? Kot? Vienne Lana? J'ai pas compris pourquoi. C'est moi qui les a tués? Ou c'est à cause de moi qu'ils sont morts. Je sais que Velin est mort parce qu'on l'a tué. Enfin, elle est morte parce qu'on l'a tué, mais... C'est vous êtes prêts. C'est Velin qui nous a fait ça. J'ai fait un autre cauchemar. J'étais sur le point de m'emparer du trône, mais Velin était là. Elle m'attendait. Elle est partie maintenant. C'est de son père dont on devrait s'inquiéter. Quoi qu'il prépare, je serai prêt. Vous avez apporté l'holocron ? Je l'étudie depuis qu'on s'est enfui de Nathema. Le fonctionnement de la relique reste un mystère, mais son pouvoir est indéniable. Si elle peut vous protéger contre Valkorion... Vous pensez vraiment que cette papiole rouillée peut me faire du mal ? Cette babiole est puissante dans la force. Vous l'avez enfermée pour une raison, et si vous vous retournez contre moi, je l'utiliserai. Accrochez-vous à des antiquités s'il le faut, mais ne perdez pas l'objectif de vue. Emparez-vous du trône éternel. On a fait trop de sacrifices pour se retourner l'un contre l'autre maintenant. Il veut m'enculer par derrière, ça sent tout J'ai de suite. J'ai senti sa présence. Comment pouvez-vous supporter ça? Valkorion et moi avons un accord. Il fanfaronne, et moi je l'abreuve d'insultes. Je parie qu'il adore ça. Le commandant est attendu sur le pont. Votre équipage est prêt. C'est l'heure.
Bon bah désolé les gens, on va devoir s'arrêter. C'est une courte vidéo certes, mais bon. C'est pas non plus ce que je veux. Nouveau rang de commandement. Ok. Alors, on va quand même un petit peu checker l'inventaire. Ok, c'est le même. Putain. Attends, je vais voir un petit peu la tête que j'ai avant. Non mais t'es sérieux? Oh gros, on dirait un robot. Bon les gens, on va s'arrêter là. Mettez un petit pouce bleu si vous avez kiffé et on se retrouve pour l'épisode prochain. Ciao tout le monde.